aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je sais, que j'en ai pas posté. Toujours les mêmes excuses, toujours les mêmes raisons qu'à chaque fois et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet pas très glamour, à savoir la cellulite. C'est un phénomène que toutes les femmes, ou en tout cas beaucoup, connaissent, fines, un peu plus rondes, peu importe, beaucoup de femmes sont atteintes. Moi, je suis très fine, mais j'ai de la cellulite sur les cuisses, sur les fesses. C'est très glamour, mais c'est comme ça. Beaucoup de femmes en ont, ma maman en ont, ma maman en a, mes cousines, ma famille, enfin bref, beaucoup de femmes, j'ai des copines aussi qui en ont. Il faut savoir qu'en tout cas pour moi personnellement, je fais du sport quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, c'est-à-dire je peux être 2 mois sans en faire et après 2 mois à en faire à peu près tous les jours. Alors il faut savoir que je ne suis pas une grande sportive, donc mon sport se limite à éventuellement de la corde à sauter, du stepper, des exercices au sol et c'est tout. Moi la salle c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps et de toute façon je sais que je ne prendrai pas le temps d'y aller. Avant de commencer à vous parler du produit, je tiens à vous souligner que c'est mon expérience, que ça a marché pour moi, pour ma cellulite, pour mon corps. Après je ne garantis pas que ça marche sur toutes les femmes. A savoir que moi j'ai deux types de cellulite, enfin en tout cas j'ai l'impression. J'ai la cellulite qui est à la surface de la peau et une cellulite qui est beaucoup incrustée, due effectivement au fait que j'ai une activité sédentaire, que je suis assise toute la journée et que je fais pas assez de sport. Niveau alimentation, il faut savoir que je fais très attention grâce à ma maman qui fait très attention à ça. Elle fait attention aussi et elle m'aide à faire attention. Parce que sinon, bah, même si je suis fine, j'ai une tendance à grossir du fessier de manière pas très jolie, vu que je ne grossis jamais du haut, mais toujours du bas. Donc il faut savoir que je fais quand même extrêmement attention à mon alimentation. Ça m'empêche pas le week-end d'aller au restaurant, d'aller au McDo, d'aller au Buffalo, de manger du gâteau, enfin vraiment, je ne me prive pas du tout. Je fais juste attention quand je peux à ce que je mange. Donc le produit dont je veux vous parler, c'est le Fais-moi fondre de chez Garancia. C'est un produit que moi en tout cas je ne connaissais absolument pas, dont je n'ai absolument jamais entendu parler, moi en tout cas sur les réseaux que je suis. C'est ma maman qui m'en a parlé parce qu'elle aussi a de la cellulite et il y a un jour on en a eu marre, on a été en parapharmacie, on a regardé un peu les crèmes, les somatolines, les machins. Mais moi j'ai des cousines et des copines qui ont déjà essayé les somatolines sur leur corps à elles, ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit plutôt que de mettre 30€ dans un produit qui ne marche pas, ça m'embêtait, ça embêtait ma maman aussi. Et là elle m'a parlé de ce produit là et elle m'a dit qu'elle avait vu, je crois, des youtubeuses ou une youtubeuse, je ne me rappelle pas, en parler et dire que c'était vraiment pas mal. Donc on a été chez Sephora, donc c'est un produit qui se trouve chez Sephora. À savoir qu'il coûte de mémoire, il me semble, entre 30 et 35€. De toute façon, je mettrai le prix ici. Donc, c'est vraiment pas donné. Il y en a 400 ml dedans. Donc, après, la contenance est quand même énorme. Mais c'est un investissement. Moi, je l'ai acheté, pour tout vous dire, quand j'avais 25% chez Sephora. Ce qui fait qu'il m'avait coûté 27€. Parce que concrètement, même si ça pouvait fonctionner, parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner, ça m'embêtait de mettre ce prix-là. Donc grosso modo, c'est une mousse crépitante corps anti-capiton express aux actifs amincissants, anti-cellulite, raffermissant et drainant. C'est une texture poudrée embellissante, voilà voilà. Donc Garancia, c'est une marque, je pense que vous devez connaître, ou en tout cas si ne vous connaissez pas, c'est une marque un peu féerique qui a toujours des produits avec des packaging juste sublimes, des produits toujours ludiques à utiliser avec des formules toujours top avec des actifs naturels, etc. Je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière. Parce qu'il y a une chose, vraiment, quand je l'ai lu, qui m'a choquée, enfin choquée, qui m'a interloquée, c'est qu'il y a marqué « Découvrez la première mousse crépitante aux actifs qui miment et potentialisent l'effet remodelant d'une séance de sport d'une heure. De plus, sa texture pénètre et embellit instantanément votre peau. Plus besoin de massage. Efficacité prouvée, même sans palper rouler. » Donc effectivement, c'était deux choses qui m'avaient interloqué. Le fait que ça reproduise l'effet d'une heure de sport et qu'il n'y a pas besoin de palper rouler. Moi, c'est un truc qui me gonfle. J'ai arrêté d'acheter des crèmes anti-cellulite pour ça parce que j'ai pas le temps. Ou en tout cas, je ne prends pas le temps. Et ça me gonfle après la douche. Vas-y, masser tout ça. J'ai pas envie. J'ai envie d'un truc qui soit rapide et qui fonctionne.
Donc les actifs qu'il y a dedans, donc il y a l'actif marin des Bermudes, c'est celui qui mime l'effet remodelant d'une séance de sport, je ne vais pas tout vous lire. Les feuilles de maté et de stevia, qui sont riches en caféine et qui stimulent l'action anticellulite. Et de la betterave, qui draine les liquides en excès. Donc grosso modo, si on réunit les résultats, immédiatement la peau est 4 pour 90% des personnes plus lissée, et dès 7 jours, pour 68%, la peau est raffermie. Et dès 14 jours, réduction significative de l'aspect des capitons des cuisses. C'est un flacon qu'il faut secouer avant de l'utiliser. Il faut le faire une à deux fois par jour. Moi, je l'ai fait une fois par jour et parce que ça coûte très cher. Donc, je me suis dit, je vais le faire une fois par jour pour que ce soit bien fait. Donc, je le fais le soir après ma douche pour bien avoir essuyé mes cuisses et mon fessier. Il faut bien bien l'agiter, vraiment bien bien pour que tous les actifs se mélangent. Bien mettre tête en bas. Ouvrir, mettre une pompe suffit par cuisse, donc moi je mets une pompe par cuisse et une demi-pompe par fesse, et vous allez voir, c'est hyper ludique, ça crépite, c'est ludique, ça fait un léger effet frais mais pas trop, et enfin, c'est juste hyper ludique à utiliser. Je sais que rien que pour l'aspect marrant, un peu fun à utiliser, c'est aussi ce qui me fait que je l'utilise et que je l'ai fait vraiment tous les jours. Ça fait maintenant plus d'un mois, ça fait précisément 5 semaines que je l'utilise et je dois vous dire que je suis complètement bluffée. Effectivement, quand vous l'appliquez, la peau paraît un peu plus lisse, donc un petit peu, hein, c'est pas non plus le truc le plus fun, mais la peau paraît un peu plus lisse et au bout d'une semaine, j'ai commencé effectivement à voir, à moins voir mes capitons, grosso modo quand j'étais debout. Que je me mettais en jupe, quand je regardais mes cuisses, je voyais, vous savez, les petits creux disgracieux, et au niveau du genou, juste au-dessus, j'avais toujours un espèce de bout de gras, c'est trop glamour, avec effectivement des petits creux, et au bout d'une semaine, j'ai vu que ça s'était lissé, au bout de 15 jours, c'était fini, je ne voyais plus cette espèce de bourrelet avec des capitons sur mes cuisses, ma peau était vraiment plus lisse au bout de 15 jours, les capitons beaucoup moins visibles parce que quand j'étais debout, je vous garantis qu'on les voyait. Pour mes fesses, 15 jours ça n'a pas été suffisant parce qu'il faut savoir que j'en ai vraiment pas mal au niveau du bas de la fesse, dû à un manque de sport clairement et au fait que je suis tout le temps assise, preuve en est. Et par contre ça fait maintenant 5 semaines, donc là je peux aujourd'hui vous dire que ma cellulite superficielle, donc celle qui se trouve vraiment au-dessus, a quasiment disparu. Sur mes fesses, elle a déduit, enfin j'ai deux tiers de cellulite en moins, j'en ai encore un petit peu, et j'ai encore la cellulite vraiment incrustée dans les cuisses, mais ça de toute façon, faut pas se faire d'idée, ça ne partira pas avec un produit, c'est vraiment dû au fait que je manque d'activité sportive, et qu'il faut vraiment faire du sport aussi, parce que c'est justement le fait de bouger aussi qui va aller chercher les, entre guillemets, les graisses qui sont cachées, puis en tout cas qui va aider les capitons à disparaître. Mais pour ce qui est de la cellulite vraiment superficielle, qui gêne, qui fait que quand j'étais debout, ça me complexait et ça me gênait, ça a quasiment disparu, voire même presque totalement. Ma maman l'a acheté aussi, les résultats pour elle sont, en tout cas, pour elle, elle sent qu'ils sont beaucoup moins visibles les résultats. Mais il faut savoir que ma maman n'a pas le même âge, moi j'ai 25 ans, c'est ma maman, donc elle est forcément plus âgée que moi, etc. Donc c'est ce que je vous dis, moi ça a marché, j'ai 25 ans. Sur une femme peut-être de 40, 50, 60, ça n'aura peut-être pas la même action. Sur une femme de 20 ans ou de 30 ans, et ça dépend de tous les corps, c'est ce que je vous ai dit encore. Moi, ça a marché vraiment du tonnerre, j'en suis extrêmement satisfaite. Donc il me reste à peu près, je pense, 5 produits. Donc grosso modo, je pense que la bouteille doit faire, en fonction des zones que vous traitez, parce que vous pouvez effectivement faire les bras, faire le ventre, faire les hanches, faire vraiment les zones que vous souhaitez. Moi j'ai vraiment ciblé cuisses et fesses, donc je pense que j'en ai encore pour peut-être une semaine ou deux. Donc le produit pour moi m'aura fait, je pense, 5, on va dire 6, 7, 8 semaines grand maximum. Je pense qu'il va faire à peu près ça, donc c'est un investissement, c'est ce que je vous disais. Mais n'hésitez pas à checker les 25% chez Sephora. Je veux savoir également, je sais pas si je voulais préciser, mais que le temps que j'ai utilisé ce produit, j'ai fait zéro sport. J'ai vraiment pas fait de sport, j'avais la flemme. Et je voulais effectivement voir aussi pour une femme qui ne fait pas de sport, ce que ça pouvait rendre. Donc moi j'ai quand même vu des résultats malgré que je faisais pas de sport. Là j'ai repris le sport
je fais du stepper pendant un quart d'heure par jour, c'est tout, depuis 2-3 jours, donc je voudrais vraiment voir si je mixe un peu de sport léger et ça, voir si ça peut aider à faire disparaître la cellulite qui est un petit peu plus incrustée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé un produit équivalent et qui a fonctionné pour vous. Puis bah écoutez, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc bah sur ce, je crois que je vous fais de gros bisous. Et puis bah si tout va bien, on se retrouve dans 15 jours. Bisous!